c'était l'événement rap français de ce début 92. En vedette ce soir, le groupe le plus chaud du mouvement rap, les Mastocs de la Provoc, les Suprêmes NTM. En solo ou accompagnés sur scène par les volubiles Ragasonic qui faisaient la première partie, ils sont en coulisses et en live pour Tézium Rap Live. Et à tous les gens du 93, passe pas ! Passe pas ! Tout le monde ta mère est dehors ! Alors faites du bruit ! Ragasonic et NTM sur scène, rapline en coulisses, flashback d'une soirée mémorable. On a pris des trucs beaucoup plus grooves pour les nouveaux sommets, enfin c'est un, on a entendu là. Parce que bon, on a progressé maintenant au niveau lyrical, au niveau débit, et puis on trouve que c'est sur ce style de musique qu'on s'adapte le mieux, quoi. Même si on est toujours aussi radical au niveau des paroles, la façon de lâcher un petit peu évolué, normal. On se prétend pas un gars du tout, quoi, à côté de Ragasonic, quoi. On a toujours envie de tout sortir vite, pour pas que ça perde, pour que ça reste toujours up to date, mais bon. Mais bon, t'es obligé de faire un voilà, album. Tu vois, faire un album, c'est long. L'album il sortira en septembre, donc tous les nouveaux titres en fait ils sortiront en septembre. Bon, il y aura sûrement un maxi après Nouvelle Attaque et Soul Soul là, qui sortira genre mai, quelque chose comme ça. Mais sinon, tout sera sur l'album en septembre. Ça bon, sortira pas avant. L'histoire de vinyle, c'est toujours long, quoi. Tu fais le morceau, ça sort toujours. Je sais pas. Minimum 4 mois après, 3 mois, quoi, tu vois. Ça sort jamais du jour au lendemain comme ça. On a fait un morceau, on peut le sortir. Que tout ceci reste clair, les airs de Yoshi Chan et Matia, que chacun les tient son destin dans ses mains. Aujourd'hui comme demain, la main dans la main. 93 était aimé, poli par les siens. À la devoir de faire valoir son pouvoir. L'unité sera pour nous le dernier rempart. Voilà pourquoi de personne ne sera là-dessus. Du bruit.